Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera la dernière de l'année 2020. J'ai décidé pour cette fin d'année de revenir un petit peu sur les fêtes, puisque là on est entre l'entre deux fêtes, entre Noël et le réveillon du jour de l'an, qui sera un petit peu particulier cette année, il est vrai. Donc je vais revenir un petit peu sur les cadeaux de Noël, puisqu'on a été gâtés par le Père Noël, et forcément j'ai eu pas mal de comics, donc j'ai décidé de vous présenter un petit peu tout ça, même s'il y a d'autres choses. Alors, j'ai eu déjà deux choses qui n'ont rien à voir avec le comics. On va commencer par celle-ci. Tout d'abord, Le Monde Perdu de Michael Crichton. On est dans de la lecture pour autant. Il s'agit de la suite de Jurassic Park, comme dans le film, hein, on avait Le Monde Perdu. Ça s'est nourri l'un de l'autre, hein, c'est-à-dire que Michael Crichton a écrit une histoire qui s'appelle Jurassic Park à la base, qui a nourri le film Jurassic Park et qui lui-même a été nourri du film. Et donc, il y a pas mal de différences, ça prend plus son temps. Moi j'avais déjà Jurassic Park et là j'ai Le Monde Perdu pour voir un petit peu aussi les différences par rapport au film que j'ai bien aimé mais sans plus. Donc on verra si j'apprécie beaucoup plus le livre. Sinon, au niveau du jeu vidéo, j'ai également obtenu par mon frère Fire Emblem Three Houses, donc le tout dernier Fire Emblem sur Switch. J'ai pu jouer là 6 ou 7 heures à peu près déjà. Il est sympa, mais je trouve qu'on perd un petit peu l'essence de Fire Emblem, c'est-à-dire que moi j'ai adoré Fire Emblem Awakening sur 3DS et j'ai adoré aussi les épisodes sur GBA, Game Boy Advance à l'époque, où on jouait quoi, on faisait les combats, il y avait le côté stratégique. Là il y a beaucoup trop d'à côté, beaucoup trop de mièvrerie presque, j'ai envie de dire, où on va courir dans les couloirs pour aller parler à des personnages, pour essayer d'avoir un peu plus d'amitié avec eux et on joue pas tant que ça, c'est-à-dire que les batailles elles sont peu nombreuses pour l'instant. Je vais voir comment ça évolue, mais j'ai l'impression qu'on va garder un petit peu ce modèle là et qu'on passe beaucoup de temps à préparer des choses pour pas grand chose. Donc, un petit peu déçu hein, parce que c'est un prix, c'est un titre qui coûte son prix, c'est-à-dire que ça fait partie des jeux qui ne baissent pas de prix, qui ne baissent jamais de prix chez Nintendo, comme les Zelda, comme les Mario, comme les Pokémon. Il y en a qui baissent de prix, qu'on trouve régulièrement en promotion, mais ceux-là ils resteront pour toujours à leur prix à moins de le trouver en occasion. Donc, ça c'était les deux cadeaux hors comics, on va dire, que j'ai eu, que je vous présentais quand même. Maintenant, on va parler au main event, on va dire, aux comics. Alors, tout d'abord, je vais commencer par celui-ci. Donc, j'ai eu pour Noël le tome 9 de Batman Rebirth, puisque Batman Rebirth, je ne sais même pas si je les ai de début, je les ai en face de moi. J'en ai certains, j'ai pas tout pris. J'ai pris quelques volumes, j'ai le tout dernier, le 12, je crois. Ensuite, j'ai pris Joker War, qui suit un petit peu, si j'ai bien compris, j'ai pas encore lu. J'ai d'autres volumes, mais j'ai pas la collection complète. Sauf que le chemin entre le 9 et justement le 12 m'intéresse pas mal, c'est-à-dire l'arrivée jusqu'à l'événement entre Batman et Catwoman. Voilà, je dis pas trop pour ceux qui suivraient pas trop. Toujours est-il que voilà, là j'ai le tome 9, du coup il manque le 10 et le 11 pour compléter le trou avec le 12, puisque les choses semblent s'accélérer. Je suis pas giga fan du peu que j'ai lu, parce que j'ai pas tout lu du run de. C'est Tom King, hein, c'est bien ça, je dis pas de bêtises, ouais, c'est le run de Tom King. Je suis pas giga fan, je préfère largement de ce que j'ai lu pour l'instant parce que j'ai pas tout lu, donc je peux pas donner un avis définitif forcément en ayant lu un tiers de son run forcément, mais je préfère pour l'instant celui de Scott Snyder, donc le New 52, mais visiblement on en dit du bien quand même, donc je vais voir. Il y a pas mal de dessinateurs qui succèdent aussi et ça joue, c'est à dire que là on a du Tony S. Daniel que j'adore qui est présent ici. Donc ça aide. Je vois qu'il y a Michael Janin aussi sur la couverture et j'adore également Michael Janin. Je sais pas où il est, je vais pas chercher, hein, mais voilà, il y a d'autres, Matt Wagner et Otto Schmidt. Donc il y a plusieurs dessinateurs qui succèdent. C'est le problème aussi de certaines séries et Batman semble en souffrir, c'est-à-dire changement de dessinateur régulier. C'est le jeu certes, mais c'est un petit peu contraignant quand on a été habitué justement sur Batman New 52 à voir Greg Capullo quasiment de A à Z. Hein. Il y a eu des fillers, il y a eu des petites pauses, mais globalement, c'était Greg Capullo sur le gros du travail. Là, ça change souvent et j'ai un peu de mal, moi, quand ça change beaucoup trop. Donc voilà, ça, je l'ai obtenu du côté de ma compagne, la famille de ma compagne. On fait un personnel Père Noël secret, c'est-à-dire on tire au sort une personne, peut-être que certains font ça aussi, et du coup, on offre un cadeau. Ça permet d'offrir un cadeau à une personne et pas à tout le monde, parce que sinon, ça fait un petit peu trop de monde. Et puis, ça permettait aussi, si certains ne pouvaient pas venir par rapport au Covid ou quelque chose, de pouvoir ensuite donner le cadeau plus tard. Ensuite, j'ai eu pour Noël ceci. Donc là, je montre ces deux-là, puisque ça, c'est mes parents, donc mon papa et ma maman, qui m'ont offert deux comics. Donc celui-ci, il est sorti il y a un petit bout de temps, c'est un deluxe
sur les X-Men, qui était une réédition de récits un peu plus anciens, de Mike Carey, et dessiné par Chris Bacalo et Humberto Ramos, qui sont deux artistes que j'affectionne énormément. Donc je l'avais mis sur ma liste de Père Noël, et je suis très content de l'avoir, puisque pour avoir vu quelques planches, ça me semblait assez intéressant. Je ne suis pas certain que l'histoire soit très importante, très intéressante à suivre, mais c'est pour le côté graphique que je l'ai pris. Donc il est encore sous blister, hein. Je ne lirai pas tout de suite, je pense, dans quelques temps. J'ai pas mal de choses à lire déjà pour faire les vidéos. Donc, mais voilà, je ne manquerai pas de le lire et de vous en parler quand ce sera fait. Et j'ai obtenu aussi une sortie très récente, qui est Batman Death Metal, la suite de Batman Metal, que je n'ai pas encore tout lu également. J'ai lu le premier volume de Batman Metal. J'ai acheté, il n'y a pas si longtemps que ça, le volume 2 et 3. Oh, je les avais trouvés. Et donc là, j'ai la suite Batman Death Metal. Donc là, je verrai ce que j'en pense. Moi, je suis fan du travail de Snyder et Capullo personnellement. Je sais que il a pu laisser pas mal de gens sur le côté et que on dit justement qu'il en fait trop, ce qui me semble pas forcément faux, hein, du peu que j'ai vu des planches et déjà sur le tome 1. C'est un peu surchargé dans le style de Capullo et ça part un petit peu dans tous les sens chez Scott Snyder. Mais voilà, je vais attendre de lire tout encore une fois. Je peux pas juger avec un volume sur 3 et sans la suite ce que c'est. Donc voilà, en tout cas, je suis très content de l'avoir puisque c'est une sortie quand même importante. Il y aura une suite hein, puisque c'est le volume 1, je sais pas en combien ce sera, 2 ou 3. Donc voilà, en tout cas, deux beaux comics que je suis très content d'avoir eu. Ensuite, ma chère et tendre, elle m'a offert deux choses. Elle m'a offert, si vous suivez mon compte Twitter, n'hésitez pas, Comicsiteur d'ailleurs, elle m'a offert la Miss Claus, la figurine Miss Claus de Shiryu, du dragon. Donc, figurine Miss Claus, c'est une figurine choisie Zodiac. Qui ont une particularité d'être, elles arrivent dans une boîte et en fait vous devez monter l'armure sur le personnage. L'armure est soit en plastique, soit en métal et ça coûte un petit peu cher. Donc il y a des versions, on va dire entre guillemets pirates, qu'on peut trouver sur AliExpress, qui sont des versions chinoises. Ils n'ont pas la licence, mais ils ont recopié un petit peu le modèle et c'est le cas pour ce Shiryu. Du coup ça lui a fait pas trop cher. Et comme ce Shiryu en version armure de bronze, c'est pas très important. Moi j'en ai deux officiels, j'ai Athéna et Milo du Scorpion. Celle-là, je les ai en officiel, mais Shiryu, j'en voulais un, mais c'était pas très important, donc il n'est pas en officiel. Donc voilà, ça, c'est des figurines que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est encore une fois quelque chose d'assez coûteux. Et comme elle n'était pas sûre de l'avoir, puisque ce n'était pas directement envoyé de France, elle avait pris un cadeau de backup, même si finalement j'ai tout eu, le Shiryu Dragon étant arrivé pile à temps pour Noël. Le volume 1 de All New X-Men en version Deluxe. Alors, All New X-Men, je les ai déjà lus. Dans les kiosques Panini, j'en ai certains, pas tout. Dans la version Marvel Now, les blancs là avec couleur rouge. Et par contre, j'avais pas le début parce que le début, je l'ai lu en kiosque et le début, il est formidable. Et du coup, j'ai profité de cette belle réédition de Deluxe pour le mettre dans ma liste des cadeaux que j'aimerais bien. Parce que j'ai toute une liste pour ceux qui souhaitent savoir quand on fait des cadeaux, qu'est-ce que tu veux. Bah, je fais toute une liste parce que les comics, bah, forcément, quand on en a pas mal, c'est compliqué. Les gens veulent nous acheter du comics. Mais ils savent très bien qu'on en a beaucoup, qu'on achète beaucoup, donc je fais une liste de choses que je n'achète pas, mais que j'aimerais bien, et comme ça, si on me l'offre, je suis très content. Et c'était le cas de ce volume 1 de All New X-Men que j'aurais bien racheté, mais qui n'était pas quelque chose de pressant, puisque déjà lu, c'était vraiment parce que j'aime bien l'édition et que je ne les avais pas en relié tous ces épisodes. Donc voilà, très content de l'avoir, je me ferai un plaisir de relire ce premier volume et puis d'enchaîner sur la suite aussi, puisque il y a eu pas mal de numéros de cette série. Et enfin, dernier cadeau. Alors ça, c'est mes beaux-parents et mon beau-frère qui m'ont offert l'encyclopédie DC Comics. Donc l'encyclopédie DC Comics, c'est un gros bouquin de Guy Nemonine. Elle existe, je crois, aussi en version Marvel. Et c'est une édition qui est mise à jour certaines années. Donc là, je ne sais pas quelle année c'est. Parce que je crois qu'elle existait déjà l'année dernière ou il y a 2 ans. Et bah, ils ne le font pas tous les ans. Il n'y a pas besoin de mettre une réédition tous les ans. Mais toujours est-il que c'est une édition assez récente, c'est-à-dire que cette couverture-là, c'est la dernière ou l'avant-dernière édition, parce qu'il y a des éditions d'avant, par exemple, je sais que mon copain, mon ami David, qui était avec moi sur la chaîne, qui a sa propre chaîne, allez-y d'ailleurs, David collectionne désormais, je sais qu'il a une édition de cette encyclopédie, mais une édition plus ancienne, qui date d'il y a très longtemps, puisque il y a déjà plusieurs années, il l'avait déjà, et c'est pas la même édition, donc c'est une édition mise à jour. Notamment, il y a les New 52 et je suis pas sûr que dans l'ancienne il y avait les New 52. Par contre, il ne doit pas y avoir de Rebirth, par exemple. Vous voyez, des choses qui datent d'il y a 1 ou 2 ans en VO, je pense que ça prend beaucoup de temps à travailler hein, parce que c'est quand même assez épais, c'est un gros volume. Donc, c'est toujours utile quand on recherche des informations. Alors, ça ne remplace pas des récits, évidemment. Au tout début, quand j'ai découvert les comics, j'étais content d'avoir ça. Et c'est vrai que ça sert toujours. J'en ai plusieurs sur Batman, sur les Avengers, etc.
Aujourd'hui, je me concentre davantage sur les récits, sur l'histoire, mais c'est toujours plaisant d'avoir ça. Ça peut servir aussi dans le cadre de vidéos, si jamais je veux travailler sur un personnage, etc. Ou je veux faire un truc un peu plus complet. C'est toujours un beau livre, en tout cas, c'est très exhaustif, c'est assez lourd. Il y a plein de choses, il y a des personnages qui sont tout petits, des personnages anecdotiques, et il y a des personnages qui prennent beaucoup plus de place, mais qui sont très importants. Donc voilà, très content de ce cadeau qui était une surprise, puisque ça, pour le coup, c'était pas dans ma liste, et j'étais agréablement surpris par ce cadeau. Voilà, c'est tout pour les cadeaux de 2020. On a passé, nous, personnellement, une bonne soirée et un bon jour de Noël également, puisqu'il y avait deux repas différents, en essayant de faire attention forcément aux gestes barrières. C'est pas forcément simple, on va pas se le cacher, hein. Quand on fait un repas, au bout d'un moment, c'est pas simple. J'espère que vous avez pu vous réunir si vous pouviez avec vos proches, que vous avez passé un bon réveillon et un bon jour de Noël. Et je vous souhaite une bonne fin d'année 2020. Nous, on se retrouvera dès dimanche pour 2021 avec un nouveau comics et une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!